Comme l'a dit Martin, nous allons avoir des échanges avec vous aujourd'hui autour du pilotage des approches simplifiées en République démocratique du Congo. Et pour cela, nous avons concocté pour vous, comme vous le voyez sur la slide, l'agenda pour la présentation. Cette introduction que nous sommes en train de faire avec des remarques qui vont être formulées par le représentant du ministère de la Santé en République démocratique du Congo. Ensuite, il va nous présenter un peu le contexte de la RDC avec l'historique des approches simplifiées et pourquoi ce webinaire. Après cela, nous allons avoir deux présentations substantielles sur les deux approches qui ont été pilotées en RDC. La première sur Optima, et ensuite il y aura la présentation des adaptations pilotées par le Programme national de nutrition. Après ces deux présentations substantielles, nous allons échanger sur les questions, les commentaires. Puis, on va faire une petite session de récap des points clés issus des échanges que nous allons avoir tout à l'heure. Et finalement, on va conclure et faire une clôture qui va être finalisée par une évaluation. Parce qu'une évaluation du webinaire, on aimerait savoir qu'est-ce qu'on a le moins bien fait dans ce webinaire pour pouvoir mieux faire prochainement. Voilà l'agenda, le roadmap que nous avons aujourd'hui pour pouvoir discuter de cela. Je passe la parole à Martha pour introduire les facilitateurs et les présentateurs. Allô, Martha, tu es là? Ah, désolé, je suis là. Avant de présenter les facilitateurs, je rappelle à tout le monde de mettre leurs questions dans les boîtes de dialogue pendant la présentation. Et nous avons Sophie et Daouda qui vont nous aider aujourd'hui à organiser vos questions pour cette discussion. Les facilitateurs aujourd'hui, on a Dr. Khalil, celui le codeur du cluster en RDC. On a le chef Dr. Bruno, il est le directeur du Pronanut. On a Daouda aussi qui va faire une présentation aujourd'hui, c'est lui la coordinateur nutrition du COPI. Et nous avons Monsieur Dieudonné, il est le chef de section du cluster santé. Pour les Pronanut, il va aussi présenter les expériences par rapport aux approches simplifiées pilotées dans les différentes zones. Nous avons aussi Kevin, celui de la nutrition différente d'aliments un pays. Il va présenter les résultats de recherche sur les méthodes d'Optima. Et Sophie Woodet, celui de la spécialiste en nutrition au niveau HQ. Il va nous aider pendant la présentation pour gérer les questions et aussi pour gérer la séance des questions et réponses. Et j'ai déjà me présenté, je suis Martha Nakakande, je facilite cette facilitation, cette webinaire avec Dr. Khalil et les autres facilitateurs. Je donne maintenant les paroles On donne les paroles maintenant à Dr. Kevin. Il va nous faire la présentation du Optima. Kevin? On donne les paroles à Dr. Bruno qui va présenter les objectifs de cet webinaire. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Martha, pour la parole qui nous a été accordée. Je voudrais, au nom du ministère de la Santé ainsi qu'à mon nom personnel, commencer par remercier le Global Nutrition Cluster, qui est le GNC,
pour cette occasion qui nous a été accordée pour partager avec les autres pays les essais que nous avons faits au niveau du pays par rapport aux différentes adaptations dans la prise en charge de la malnutrition aiguë. Je voudrais aussi, au nom de tous les collègues qui sont avec moi ici, en RDC, remercier les autres pays qui ont voulu disposer de leur temps pour nous écouter et échanger avec nous pour que nous puissions apprendre ce qu'ils ont fait à leur niveau afin que nous puissions améliorer notre démarche et chercher à la poursuivre pour que nous puissions arriver à atteindre les résultats que nous recherchons. Je voudrais aussi remercier les clusters nutrition de la RDC pour l'organisation de ces webinaires qui nous permet de partager notre expérience. Voilà. Avec tous les collègues, nous pensons que les objectifs que nous poursuivons tournent autour du partage avec vous des résultats que nous avons observés, ainsi que des leçons apprises dans le cadre des différentes adaptations que nous avons eu à faire ici dans notre pays. Et avec ces partages, nous pensons recevoir de vous un examen critique des défis et des leçons apprises pour la mise en œuvre des approches simplifiées en RDC, des approches que nous avons eu à commencer depuis 2019 jusqu'à ces jours. Et au travers de ces webinaires, nous voulons tirer des points ainsi que des leçons saillantes. De ces points et leçons saillantes, cela nous permettra d'élaborer une feuille de route qui nous guidera pour les prochaines étapes à suivre, afin que nous puissions arriver à atteindre les résultats que nous nous sommes fixés au niveau du pays. Mais avant que les deux présentateurs ne puissent passer pour que l'un parle de l'approche Optima et puis le second parle de l'approche Compass, je voulais quand même revenir sur le contexte du pays. Nous savons que généralement en Afrique, il y a un problème sérieux de la malnutrition aiguë. Mais essentiellement en RDC, les problèmes restent très, très importants. Un problème de santé publique important. Bien qu'il y ait eu des progrès entre 2001 à ce jour, où nous sommes passés de 16 à 6,5%, mais le taux de la malnutrition aiguë reste au-delà des seuils. Et que quand on regarde en termes de nombre d'enfants, aujourd'hui, on a plus ou moins 6 millions d'enfants qui sont concernés par les problèmes de la malnutrition aiguë. Au vu de ces nombres, il se pose un problème de prise en charge. Et lors des derniers rapports que nous avons reçus des clusters de nutrition en 2019 et de OCHA, il a été démontré qu'au niveau du pays, il y a un problème sérieux en termes de couverture. Aujourd'hui, nous sommes autour de 30% pour la couverture des enfants avec malnutrition aiguë sévère et moins de ça, c'est-à-dire autour de 17% pour la couverture des enfants avec la malnutrition aiguë modérée. À côté de ces problèmes de couverture qui se posent dans le pays, il y a aussi un problème de la continuité des soins. À peine 53% d'enfants ont des soins continus. Hormis ces deux grands problèmes, il y a encore un sous-problème qui se pose au niveau du pays. C'est un problème des intrants, de la disponibilité des intrants. Bon, au vu de tout cela, il fallait réfléchir pour voir qu'est-ce que nous devons faire. Slide, s'il vous plaît.
diapo. Sur terrain, on a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau des définitions des cas. On a noté la difficulté d'identifier les magnétries aiguës avec les périmètres brachial ou les paramètres poids-taille pour que nous puissions suivre l'éligibilité au programme. Et il y a même une dernière étude qui a été faite en 2018 par Isaka et ses collaborateurs. L'étude a démontré qu'on a la trajectoire des gains de poids qui arrive à son maximal entre 2 à 3 semaines dès qu'un enfant est mis sous traitement. Donc, ceci est un point important qui a guidé nos réflexions pour que nous puissions arriver à faire ces adaptations. Et de ça, il y a une dynamique qui a commencé au niveau du pays où, avec les collègues des aliments, en 2019, nous avons lancé l'approche Optima et puis actuellement, avec l'appui de l'UNICEF, nous sommes en étude pour l'option Compass. Il y a aussi cette résilience du système de santé liée à la pandémie à COVID-19 qui nous a poussé à voir comment accélérer les adaptations face à ces grands fléaux. Et le tout, comme je l'ai dit tantôt, l'idée pour nous est qu'à travers ces adaptations, nous puissions arriver à augmenter significativement la couverture des services de traitement contre la malnutrition aiguë. De tout ça, je voudrais ici, avant que les collègues ne puissent présenter, tantôt pour Compass et Optima, montrer un peu l'historique. Nous venons d'où et nous allons où. Je l'ai dit tantôt, en 2019, nous avons commencé avec les collègues des aliments, l'approche Optima, qui a concerné la zone de santé des Kamwisha dans la province de Kasaï Central. Et dans les années, avec l'arrivée de COVID-19, le système de santé a eu un choc suite à ces problèmes de résilience. Nous avons eu, grâce à l'appui de l'UNICEF, intégré l'approche Compass. On a commencé par la formation sur l'approche simplifiée PESTIMA grâce à l'appui des GNC. Ensuite, nous avons eu à élaborer les modules PESTIMA approche simplifiée. Là, c'était autour du mois d'octobre. Il y a eu après ce module qui a été élaboré, il y a eu formation des acteurs, en commençant par les formateurs nationaux ainsi que les prestataires sur le terrain. Puis nous avons commencé un projet pilote dans la zone de santé de Nyakoundé, qui est une zone en situation d'insécurité, ainsi que dans la zone de santé de Mbinzabeteo, ici à Kinshasa, qui est une zone qui pose des problèmes d'accessibilité. Parallèlement à l'approche Compass ainsi qu'à l'approche Optima, avec les collègues de ASF, nous avons mis en place un petit projet qu'on appelle projet Mango dans la zone santé de Bonzola, Nzaba, dans la ville de Mbujimayi, province de Kasaï Oriental, qui normalement, si on avait des résultats, on aurait dû présenter ça aujourd'hui, mais hélas, on est encore en phase de collecte des données. Et actuellement, on est sur terrain en train de mener les études 4 témoins dans la zone de santé de Mundu et Bambou pour soutenir ce que nous avons eu à faire dans la zone de santé de Nyakoundé ainsi que dans la zone de santé de Mbiza Météo.
nous profiterons des leçons apprises au cours de ce webinaire pour nous permettre d'élaborer une feuille de route devant nous permettre de voir les prochaines étapes qui doivent guider les pays dans cette lutte effrénée de combler les gaps en termes de couverture, d'intervention, de lutte contre la malnutrition aiguë. Je ne voudrais vraiment pas monopoliser la parole parce que ce n'est pas mon jour. Je vais la laisser aux deux collègues qui vont le faire tantôt pour que nous puissions continuer par rapport à ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Bruno. Alors, pour cette introduction sur le contexte, les objectifs de ce webinaire, nous allons maintenant introduire les présentations substantielles. Et on va commencer par celle qui concerne l'analyse de l'efficacité et du coût efficacité de l'approche Optima. Et on va la faire avec notre collègue Kevin Félan. En effet, Kevin est le référent nutrition de l'ONG Alima, entendez Alliance pour l'action médicale internationale. Il est basé à Paris. Beaucoup d'appui terrain par rapport au programme nutrition et santé, bien entendu. Mais avant, Kevin a travaillé plus d'une décennie avec Médecins sans frontières, avec différents rôles. Alors, durant donc les 15 à 20 prochaines minutes, Kevin va, ou peut-être moins, Kevin va nous faire la synthèse de l'analyse de l'efficacité du coût et de l'efficacité de l'approche Optima. Kevin, over to you. Hello, everyone, and I will be speaking in English. So if you want to go to the globe for interpretation into French at the bottom right-hand part of your screen, that would be great. Merci à tous. Juste pour dire, Kevin va parler en anglais. Donc, si vous voulez changer les langues, vous pouvez utiliser la globe terrestre pour choisir le français. Merci. Oh, right. I was saying that part in English. I apologize. So I want to thank everybody for inviting us, the GNC, but in particular the Ministry of Health in Democratic Republic of Congo, and Pronanut in particular. We've been great partners throughout this journey in Optima. Slide, please. So I think it's good to start with a reminder as to why Alima started this journey into the simplified approach that we're calling Optima for optimizing malnutrition treatment. It was born out of a lot of frustrations from our field teams. So first, there was the late screening and late prise en charge of children with the current approach, which increases complications and increases mortality. Second, we felt like we were hitting the operational limits of the current approach with a complex definition of mas and mam, the different supply chain issues, and the underfinancing that is an annual reality. Third, as Dr. Bruno had stated, there has been a very low coverage with the current approach for prise en charge. I give the example here of Madagascar. And then finally, fourth, the cost, with only 25% of current needs financing being honored. Slide. So what is Optima? Basically, Optima has three changes to the current protocol. First, we use PBMR. So we train mothers how to use MUAC tapes, mothers and other family members, in order to have an earlier detection and a much greater engagement with caretakers. The second change is to use just MUAC
and less than 125 millimeters and or edem for inclusion, and one treatment product, RUTF or ATPE. So this combines MAS and MAM in one program. It does away with a second supply chain. And we feel that it begins treatment at an earlier stage and leads to a more simplified management of program. Third change that Optima makes is a gradual reduction of the dosage of RUTF. So a child will receive less RUTF as they improve in their nutritional status during the course of treatment. And we feel that this will lead to a more efficacious utilization of one of the more expensive entrants in nutrition programming. And as Dr. Bruno said, I will be discussing the preliminary results of efficacité and coût d'efficacité of the Optima randomized control trial that we ran in Kamwesha, Kasai province. Slide. And slide. I guess that was just a little bit. So the objective of ours study was to conduct an individual randomized control trial, testing the Optima strategy against the current protocol for MAS and MAM treatment in Democratic Republic of Congo. Now, we looked at a rate of success, and the rate of success that we use is 6 months post-randomization. Is the child alive? Is the child with a MUAC greater than 125 and a weight for height greater than -3 Z-scores? And there was no other episode of acute malnutrition, whether MAS or MAM, during the entire follow-up period. So this was our rate of success in comparison. We also did secondary analyses of more traditional outcomes, but I'm going to focus on the main principle judgment. Slide, please. So here is an example of the individual randomization process. A child comes in and is randomized into either the Optima arm or the standard arm at the same health center. So this is the individual randomization that took place. Slide. The site of the study was the Kasai province in the Kamwesha health zone, which ACF had documented very high prevalences of MAS and MAM. The population is about 500,000 people, with about 120,000 children less than 5 years of age. And this study was embedded in a medical nutritional pediatric project that ALIMA had began in June 2018 in 9 Aires de Santé. And we selected 4 Aires de Santé to participate in the study. Slide. I think you need to go forward a few. This is a quick comparison of the national protocol and the Optima protocol. You see in the national program, we have a separation between MAS and MAM using different nutritional products for treatment, and calculating the dosage in the MAS program according to weight, and in the MAM program with a fixed quantity. And actually the dosage according to weight leads to a paradox because a child is gaining weight during the course of treatment. A child can end up receiving more RUTF at the end of treatment than they would at the beginning of treatment when they're at a much more life-threatening stage. And then there on the right, you see the Optima protocol, combining MAS and MAM, using RUTF dosage reduction according to both weight and MUAC. And then the criteria for exit are pretty much the same across the two protocols.
slide. So here are the preliminary results. And at the moment, the main article is in press, and we hope this will be published in the very near future. So for the success at 6 months, and remember, success means the child is alive and is not acutely malnourished and has not experienced any other episode of acute malnutrition during the 6 months of follow-up. So in the standard arm up at the top, we see in the intention to treat analysis, we have a 63% success rate in the standard arm versus a 72% success rate in the Optima arm. And the difference is calculated because both sides of the confidence interval are less than zero. We can say that in the intention to treat analysis, Optima proves superior to the standard arm. And we see that in terms of relapse to a new episode that resolves at 6 months, it's pretty similar in the two arms, but a relapse to a new episode that did not resolve at 6 months is higher in the standard arm. And we see something similar in the per protocol analysis as well. Slide. Some secondary results in the global analysis, because this study was also powered to compare Shemas, the kids with SAM at admissions in both arms, and that will be a separate paper. But in the global analysis, we see that in the Optima arm, there was actually better anthropometry at the 6 month mark in terms of weight gain and in terms of MUAC gain. If we look at the nutritional support received in both arms, we see that about 139 children in the standard arm did not receive nutritional treatment. Now, one of the reasons for that was the MAM program was being managed by the MAM programmers. And unfortunately, there had been some supply chain disruption. So some of the kids who were MAM at inclusion ended up not receiving the nutritional support they needed. Then we look at the number of RUTF and RUSF sachet received in the standard arm. It's more than double what was received in the Optima arm of 64. And the duration of treatment was also higher in the standard arm than in the Optima arm. And then finally, for the secondary results, I think an important finding is that of the kids who presented MAM at inclusion, 16% deteriorated to SAM in the standard arm versus 5% in the Optima arm. Slide, please. So just as a recap, for the global analysis, the children who were both SAM and MAM, at inclusion, Optima proved superior to the standard protocol in terms of nutritional status at 6 months. The consummation of RUTF, we had 30% more children who received RUTF in the Optima arm and 20% less consummation. So basically, you can start to see, you can double your caseload without having any impact on the amount of RUTF needed per program. And then just a few words for those kids who came in with SAM. Optima proved non-inferior to the children in the standard arm. And this was using the definition of the World Health Organization for SAM. And then at the exit visit, we did see that in the Optima arm, there was a 2 week longer stay versus the national protocol. And at 6 months, I'm sorry, you can see there that 15% in the standard arm versus 5% in the
other arm, I'm sorry, there we go, had a MUAC less than 125. And then you also see the sachet per child in both arms for just the Shemas, 78 for Optima and 147 for the standard arm. Slide, please. So now I'm going to go on to the cost effectiveness analysis. And for this, we have two additional partners. We solicited the assistance of health economists from Harvard and Yale universities to conduct this analysis. So the methodology is pretty straightforward. You take the total costs of treatment for each arm of the study and the quantity of each resource that was used and multiply that by its cost per unit. So for example, you add up all the RUTF, all the RUSF, all the medicines, all the consultations, all the home visits, all the costs related to transport for home visits, all the costs related to supply chain issues, and you come up with a number of costs per each child enrolled. And for the most part, there were four categories of resources, the first being utilization, the second being medicines, the third supply chain resources, and the fourth was community sensitization. Slide. I want to do a quick background on how do you interpret an ICER. An ICER is an incremental cost effectiveness ratio. So as you see here, the ratio is the cost per the intervention minus the cost without the intervention divided by the effect of the intervention minus the effect without the intervention. So in our case, this would be the cost of Optima minus the cost of the control arm divided by the effect of Optima minus the effect of the control arm. And health economists are fighting about what each ICER means, but the World Health Organization has three categories, just broad categories of what is cost effective. So it is considered very cost effective when the ICER is less than the GNP, the gross national product per person in the country that's being investigated. And then it's deemed cost effective when it's 1 to 3 times this PIB par habitant. And then it is not cost effective when it is greater than 3 times the PIB par habitant. Slide, please. And sorry for mixing my French and English. So here we have the preliminary results. In the upper left-hand corner, you have the global analysis in panel A. You can follow the line across from the costs. You take the Optima cost per person, which was $146.48 minus 141, and you get a difference of 495. Then you take the effectiveness and divide it, and you end up with an ICER of $55. In the second panel, amongst the children with SAM at admission, you do the same thing. So you take the cost of 153 minus 186, and you get a difference of 32.50. And then for the efficacy, you get 0.07. Now, what this means is that Optima is dominant among Shemas in this context. And dominance is a health economic term that basically means the intervention is less costly and more efficacious. So this is really a very nice finding amongst the SAM children. And I think I'm running out of time, so I apologize. And then amongst the SHAME mom, amongst kids who were MAM at admission, we see that the ICER is 355, which is still considered, it's actually not rentable, it's très rentable. And when we consider the fact that more than half of the children did not receive any nutritional support, that is one of the reasons that it was cheaper in the control arm. Slide.
So some key points here in terms of efficacy, Optima proved superior to the national protocol and non-inferior amongst children with MAS at admission. We saw that there was less RUTF consumption, even though more children received it. And if you look at the median sachets per child treated, comparing the two, you can start to see that you can double your caseload, and actually a little bit more than double, without increasing any RUTF needs. And I know that this is a major concern when you start talking about combining SAM and MAM program. But when you use this reduced dosage, you can start to have a more efficacious use of the most expensive entrant. And then in cost effectiveness, Optima proved dominant among Shemas and very cost effective in Shea amongst the children with MAM and globally, even though there was a problem with supply chain in the MAM program that denied several, more than half of the MAM kids in the standard arm any nutritional support until they actually deteriorated to SAM. Next slide. There are some limits, as there are to every study. So this was not a multi-centric study, but there is another RCT, Optima Niger, which is actually going to include a COMPASS arm. So it's going to be a three-arm trial, and that study is now in ongoing. And then the children greater than or equal to 125 with a weight for height less than -3 were not randomized, but their number was small. And then finally, for the perspective, I think this evidence is definitely to be included in the revision of the protocol, the CMAM protocol, in the future. Slide. And this Optima project, slide, please. Oops. Hello? Slide? Okay. I want to thank everybody very much for your attention and look forward to any questions that you may have. Hello? Thank you, Kevin. We can hear you. Okay. Thank you very much. I think Ben is having a little bit of technical problems. And I want to thank my son, who is very, very gracious, for not disturbing during the presentation. Thanks, everybody. Thank you. Hello, Martha. Les slides va retourner tout de suite. Merci beaucoup, Kevin. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bien. Alors, après cette présentation de Kevin, nous allons, comme je l'ai dit dans l'agenda, passer à la deuxième présentation substantielle, qui sera fait sur les adaptations qui ont été pilotées par le Programme national de nutrition en République démocratique du Congo. Cette présentation sera faite par notre collègue Dr Dieudonné Mayunkunyitu Mungwa. Excuse-moi si je prononce mal votre nom, Dr Dieudonné. En effet, Dr Dieudonné est un diplômé en médecine à l'Université de Lubumbashi. Il a franchi les échelons de la pyramide au sein du système sanitaire en République démocratique du Congo. Et au jour d'aujourd'hui, il est engagé au Programme national de nutrition, où il travaille dans la grande division des interventions. Alors, c'est Dr Dieudonné qui va nous faire la synthèse
de la présentation de leçons apprises sur la mise en œuvre des trois adaptations qui ont été pilotées par le Programme national de nutrition en RDC. Docteur Dieudonné, vous avez la parole. Je m'excuse, Khalil. Sanya, please make me host so I can share my screen again. Or at least co-host. Okay, I've done it. Okay, Dr. Dieudonné, à vous, pardon. Okay, merci Khalil, merci Ben, merci à tout le monde. Nous allons vous présenter les principales conclusions et leçons apprises sur l'adaptation des approches simplifiées de la prise en charge intégrée de la malnutrition en République démocratique du Congo. Slide. Nous n'allons pas revenir sur l'historique des approches simplifiées qui a été déjà relaté par le prédécesseur. La République démocratique du Congo, évidemment, grâce à l'appui de l'UNICEF et l'équipe technique d'intervention, à travers le fonds japonais, a mis en place les trois adaptations des approches simplifiées parmi les huit, et à savoir l'utilisation de la stratégie PB Famille, l'utilisation d'un produit unique pour le traitement de la masse et la MAM. Donc, les enfants MAM et les enfants masse sont traités par un seul produit et les traitements communautaires des enfants malnutris aigus, sévères et modérés. Et pour évaluer ces trois adaptations, un projet pilote a été mis en place dans deux zones de santé dans des conditions tout à fait particulières. La première zone de santé dans la province de l'Ituri, la zone de santé de Nyankunde, où nous savons c'est une zone de santé qui est souvent en situation d'insécurité récurrente. Et la deuxième zone de santé, celle de Binza Météo, qui est une zone de santé urbaine à forte prévalence à COVID-19. Et ces projets pilotes ont été mis en place durant 5 mois, soit de décembre 2020 à avril 2021, par les deux ONG, dont ADRA pour la zone de santé de Nyankunde et OPI pour la zone de santé de Binza Météo. Slide, s'il vous plaît. Et pour obtenir des évidences de ces trois adaptations dans ces pilotages, nous sommes fixés trois objectifs opérationnels. Nous sommes fixés trois objectifs opérationnels. Ce n'est pas ça, OK. Merci. La première était de détecter les enfants malnutris au stade le plus précoce de la maladie. Et la deuxième était de couvrir un grand nombre d'enfants dans les aires géographiques de santé choisies. Et puis la troisième était de prendre le maximum d'enfants dans le programme de prise en charge. Et enfin, d'atteindre ces objectifs, plusieurs approches ont été mises en place. Slide. Slide, s'il vous plaît. Ben, slide. Ben. Ben, vous m'entendez? I think we lost Ben again. Désolé, on a un problème de réseau. Hein? Martha and Sanja.
Marta, I'm going to try to share my screen. Yeah. And Khalil, yeah, you can try. You can try, or you can make me a host. Okay, I'm going to try to share, and then if you can tell me where we stopped. D'accord. More? Non, avancez. Avancez encore. OK, merci. Nous rappelons très rapidement que trois stratégies ont été mises en place, donc trois adaptations pour lesquelles le pays a opté. La première adaptation était l'utilisation de la stratégie périmètre brachial-famille. La deuxième stratégie est celui de la prise en charge des enfants malnutris aigus sévères et modérés par un seul produit. Et la troisième stratégie était de traiter les enfants au niveau de la communauté. Alors, par rapport à ces trois adaptations, nous avions établi des process. Pour la première adaptation, qui est l'utilisation de la stratégie PB Famille, nous avions procédé par, tout premièrement, par la formation de mères et gardiens d'enfants sur la prise du périmètre brachial et l'identification des œdèmes nutritionnels. Et après leur formation, ils ont été dotés de rubans MIAC afin de pratiquer. Et un point essentiel dans cette adaptation et dans ce process est que tous les dépistages réalisés par le maire et le gardien d'enfants étaient confirmés par les relais communautaires avant l'admission dans le programme de prise en charge. Pour la deuxième adaptation, l'utilisation du produit unique pour le traitement des enfants MAM et MAS, donc, nous avions utilisé la dose fixe de 2 sachets par jour pour les enfants MAS et 1 seul sachet par jour pour les enfants MAM. Et ces enfants MAM traités par un seul sachet, on ne prenait pas compte de l'évolution du poids, mais uniquement du périmètre brachial. Et cette prise en charge était faite dans la communauté, donc dans la CAC, la cellule assise communautaire, et aussi dans les formations sanitaires. Pour la dernière adaptation, qui est la décentralisation des soins au niveau de la communauté, les enfants MAM et MAS, sans complications médicales bien sûr et sans œdème, ont été pris en charge au niveau de la communauté. Les enfants dont le PB était inférieur à 90, soit 90 mm, ou ayant associé ou non à une complication médicale, étaient directement envoyés au centre de santé pour triage. Sur ce point, nous devons signaler que le relais communautaire qui ont accompagné ces dépistages au niveau de la communauté ont suivi un stage d'un mois au niveau des formations sanitaires pour permettre cette référence rapide. Et dans le gros de ce process établi, trois différentes adaptations qui nous ont permis d'obtenir des résultats probants sous forme plus de tendances que des évidences. Slide, s'il vous plaît. OK. 5 paramètres sont ressortis pour l'évidence de l'utilisation du périmètre brachial famille. On peut revenir un peu pour être plus focalisé. Une ou deux fois en arrière. Just go backwards, Sanya. OK, bon. Nous pouvons continuer seulement. Non, ne revenez pas sur la slide, mais sur l'affichage du cadre. Une fois. OK, merci. Pour évaluer la qualité technique de la prise du périmètre brachial et l'identification des œdèmes entre le maire et les relais communautaires, le maire et gardien d'enfants évidemment, les enquêtes communautaires représentatives des heures de santé ont été menées. Et les principaux résultats montrent que la sensibilité, la spécificité et la précision sur les techniques de mères et gardiens d'enfants sur les diagnostics, par rapport au diagnostic de la malnutrition
avec ces paramètres était égal à ceux des relais communautaires. Autrement dit, le maire mesurait aussi bien le périmètre brachial que les relais communautaires. Mais néanmoins, il y avait une faible portion des maires qui avaient des difficultés à analyser les périmètres lorsqu'il était dans le seuil des 115 ou 125 mm qui sont les limites. Slide une fois. Non, pas des slides, une fois. OK, merci. Il faut dire que le maire et les gardiens d'enfants ayant eu cette capacité technique de prendre les PB, il était important de savoir si la fréquence de la prise des PB au niveau de cette communauté était effective. Ainsi, des enquêtes de grande couverture ont été menées dans les deux ans de santé, au début et en fin de projet. Alors, il en est ressorti, parmi les enfants non couverts, nous disons bien, dans les enfants non couverts, 72% de ces enfants dans la première zone de Nyankoundé n'ont pas été dépistés par les maires. Et un pourcentage un peu plus élevé, soit 100% de la zone urbaine de Mbinza Météo, n'ont pas été dépistés chez les maires. Mais néanmoins, la grande couverture que nous avions retrouvée en fin projet ont fait à ce que ce nombre d'enfants non couverts, non diagnostiqués par les maires, était très minime. Alors, nous constatons ici qu'il aurait une faible fréquence au niveau des gardiens d'enfants et des maires qui n'ont pas eu à dépister les enfants malnutris non couverts. Une fois, on peut aller. Une fois, s'il vous plaît. OK, merci. Pour mesurer l'impact et la qualité des dépistages des maires au niveau de la communauté, nous avions analysé les données de routine sur le périmètre brachial à l'admission dans le programme. Ainsi, on a eu une tendance de l'évolution du PB médian du début en fin projet, qui a évolué de 111 mm à 114 mm pour la zone de santé des Mbinza Météo et de 110 à 114 mm pour la zone de santé des Nyankoundé. Et nous pouvons dire, nous pouvons conclure ici que les données montrent qu'il y avait une tendance à une identification très tôt de la maladie du début allant à la fin du projet. On peut y aller une fois. OK, merci. Et par ailleurs, d'autres données des routines nous ont confirmé une tendance à la diminution du PB médian, comme nous l'avions vu précédemment. Alors, il s'agissait de voir la durée et le nombre d'admissions dans les INTI et les INTA. Et ces données de routine qui ont montré ces tendances de la durée de séjour dans les INTA ont montré que dans la première zone de santé, celle de Mbinza Météo, la durée de séjour dans les INTA est passée de 54 jours à 52 jours en fin projet pour les enfants masse, et dans la zone de santé de Nyankoundé, de 42 jours à 30 jours en fin projet. Nous remarquons là une diminution sensible de la durée de séjour qui prouve qu'il y avait une bonne appréhension de la communauté de la stratégie PB Famille. Alors, pour les admissions dans les INTI, nous voyons également une nette diminution dans la zone de santé de Mbinza Météo, où les admissions sont passées de 28 enfants admis en INTI en début de projet à 9 enfants seulement vers la fin du projet, et encore plus bas dans la zone de santé de Nyankoundé, de 11 en début de projet et allant à 6 en fin de projet. Et ici, il faudrait retenir comme point essentiel qu'il y avait une tendance à avoir moins d'enfants masse avec complications médicales dans les INTI et une faible durée de séjour dans les INTI. Donc, ces enfants étaient détectés dans la communauté à un stade moins avancé de la maladie. Et une fois, s'il vous plaît, on peut y aller. OK. Par contre, le coût-efficacité du projet n'a pas été évalué dans notre cas, car de durée très courte, le projet n'a pas permis de ressortir clairement le coût-efficacité de ces projets. Une fois, s'il vous plaît. OK, merci. Alors, la mise en place de la seconde adaptation
les deux séquences d'adaptation, qui est la prise en charge de la malnutrition au niveau de la communauté, et la dernière adaptation qui est l'utilisation du produit inique, s'est articulée autour d'un processus qui a permis de mettre en évidence 5 paramètres également. Premièrement, sur la qualité des traitements, nous disons que la prise en charge de la malnutrition qui s'est déroulée au niveau des communautaires et dans les structures ont été analysées. Et les données de routine ont permis de comparer la qualité de la prise en charge entre les relais communautaires et les infirmiers dans les formations sanitaires. Et il en est ressorti que les indicateurs de performance au niveau des CAC, donc dans la communauté, étaient plus ou moins identiques aux indicateurs qui ont été retrouvés au niveau des formations sanitaires. Et même particulièrement, les taux d'abandon étaient légèrement plus bas au niveau de la communauté que dans les formations sanitaires. Et cet aspect s'expliquerait par la diminution du grand goulot d'étranglement qui était la distance, qui n'est plus une barrière avec la décentralisation de soins. Et en conclusion, les relais prenaient aussi bien en charge les enfants malnutris dans les CAC que les infirmiers dans les formations sanitaires. Une fois, s'il vous plaît. Toujours dans l'aspect décentralisation des soins, qui avait pour objectif d'augmenter la couverture géographique de la prise en charge de la malnutrition en approchant au plus près de la communauté les soins de santé nutritionnelle. Et cet aspect a été illustré à travers 2 grandes enquêtes de couverture qui ont été menées en début et fin projet. Et les principaux résultats de ces enquêtes ont montré qu'il y avait une augmentation significative de la couverture en début projet et en fin projet. Et nous voyons dans la zone de santé de mise à météo, la zone rurale, une couverture qui est passée de 4,9 à 39,2 enfants projet, et encore plus pour Niankoundé, qui est passé de 16,7% en début projet et allé à 96,5 enfants projet. Et nous pouvons conclure à ces niveaux que la décentralisation des soins permettait de prendre en charge plus d'enfants malnutris en rapprochant les soins au plus près au niveau du village. Et néanmoins, nous ne pouvons pas affirmer que cette augmentation est due à notre stratégie. Et bon, évidemment, dans la mesure où nous n'avions pas eu des zones témoins où on pouvait appliquer la stratégie standard qui ne prenait en charge que les enfants dans les structures pour comparer les deux tendances. Une fois, s'il vous plaît. Et pour ce qui concerne l'utilisation du produit inique, les données de routine enregistrées au niveau de formation sanitaire et au niveau de CAC, donc dans la communauté, ils ont démontré que les enfants malnutris aigus étaient traités avec une moyenne de 74 sachets d'ATP, donc aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, dans la zone de santé des mines à météo, et 81 sachets, dans la zone de santé de Niankoundé. Et ce nombre de sachets nécessaires pour guérir un enfant malnutri aigu sévère est inférieur au nombre qui est prévu dans le, qui est prévu dans le protocole, qui est de 120 sachets nécessaires pour guérir un enfant par rapport au protocole standard. Ainsi, nous constatons que l'utilisation du produit inique à dose fixe permettait de guérir plus rapidement avec une faible consommation d'ATP les enfants malnutris aigus et par conséquent prendre en charge un plus grand nombre d'enfants dans l'approche simplifiée que dans l'approche standard. Slide, s'il vous plaît. OK, merci. Et pour respecter, on revient une fois. OK. Allez-y, on va jusqu'au niveau de... OK, merci. Pour respecter la circulaire de l'Organisation mondiale de la santé adoptée par les pronanites, comme l'a évoqué au départ le directeur, afin de diminuer le travail dans les structures sanitaires et éviter la propagation à COVID-19, environ 72% d'enfants malnutris ont été pris en charge dans la communauté grâce à cette décentralisation. Donc,
En conclusion, cette répartition confirme la tendance à la diminution de la charge de travail qui est non négligeable au niveau de formation sanitaire, qui a transféré cette partie de travail au niveau de la communauté elle-même, ainsi renforçant l'appropriation de des problèmes de malnutrition dans la communauté. Et pour le dernier point, par rapport au coût efficacité, comme évoqué si haut, cela n'a pas été relevé parce que le projet était de durée très court et aussi il n'y avait pas de zones témoins. Slide, s'il vous plaît. Non, il y a une slide avant ça. Il y a une slide avant ça, s'il vous plaît. Il y a une slide. Nous devions parler de... Non. Le facteur de succès du projet, avant de parler de limites, avant, nous devons revenir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut revenir sur le facteur de succès du projet. Allô? Can you hear Sonia? Yes, but I don't understand. Il faut revenir. You need to go back, please. OK. Nous parlons du facteur de succès du projet. This one? Bon, les résultats probants de ces projets pilotes ont été favorisés par certains paramètres clés qui ont influencé considérablement ce résultat, évidemment. Pour la stratégie PB Famille, il y avait une bonne implication au niveau de toutes les couches de la communauté qui s'est caractérisée par une grande mobilisation communautaire et évidemment qui a fait appel à l'adhésion des leaders communautaires. Ainsi, chaque famille avait conscience de l'importance de faire le suivi de l'état nutritionnel des enfants. L'utilisation d'un seul ATP qui a connu aussi une bonne adhésion au niveau des formations sanitaires, mais aussi au niveau de la communauté, qui a réduit considérablement la charge de travail et en en facilitant également. Par rapport à la décentralisation des soins au niveau de la communauté, elle a réduit la promiscuité dans les formations sanitaires et évitant ainsi l'exposition aux infections nosocomiales et à la COVID-19. Ainsi rapprochant au plus près de la communauté les soins nutritionnels avec une bonne prise de conscience et une implication des leaders. Et bon, au-delà de ces facteurs positifs, le projet pilote de la prise en charge de la malnutrition EGI, approche simplifiée, bras compact, qui a été mis en place en RDC, a connu quelques limites qui n'ont pas permis de pouvoir ressortir les évidences claires au cours du projet, mais plutôt les résultats sous forme de tendances qu'il faudrait approfondir. Et parmi ces limites, nous évoquons ici la courte durée du projet qui était de 5 mois et ne pouvait pas nous permettre de mieux apprécier dans le temps l'évolution des différents paramètres et de faire une comparaison avec une zone témoin où il y aurait eu un protocole standard. La deuxième limite était la non-disponibilité du plan PIDOSE qui devait couvrir les enfants dont le périmètre brachial était compris entre 125 et 130 mm qui pourraient être considérés comme malnutris s'ils étaient évalués par l'indice Poitail. Et ces enfants devraient être couverts pour la bonne raison et que leur état nutritionnel pourrait probablement se dégrader s'ils restaient ainsi. Et par rapport à la troisième limite, OK, merci. Nous allons très rapidement parce que le temps imparti est presque finalisé. Par rapport à la troisième limite sur la décentralisation. OK. Pour résoudre les limites identifiées précédemment présentées lors du projet pilote, nous sommes en train de mettre en place dans d'autres zones de santé des projets pilotes avec des évidences scientifiques qui vont prendre en charge les enfants malnutris, premièrement dans des zones où on va utiliser l'approche simplifiée standard et d'autres zones qui vont utiliser les approches simplifiées, qui vont utiliser l'approche simplifiée et les zones qui vont utiliser l'approche standard. Et deuxièmement, nous allons mettre en place des CDBOA
des projets qui vont nous permettre d'évaluer les rapports coût-efficacité afin de les documenter et, dans la mesure du possible, apporter les bénéfices des approches simplifiées dans le protocole standard PCIMA en vigueur dans le pays. Bien, s'il vous plaît. En conclusion, pour conclure, en rapport avec nos objectifs opérationnels, il en ressort une tendance à identifier les enfants malnutris à un stade moins avancé de la malnutrition, avec une diminution de la durée de séjour en INTA et un nombre d'ATP utilisés moindre. Cette diminution de la durée de séjour et du nombre d'intrants consommés pour guérir à dose fixe avec un produit unique a permis à ce que nous prenions plus d'enfants en charge que dans le protocole standard. Et par rapport à la décentralisation, cela a permis d'augmenter la couverture et le nombre d'enfants pris en charge grâce à une mobilisation communautaire et l'implication des leaders communautaires. De plus, il a permis de diminuer aussi la charge au niveau de formation, la charge de travail au niveau de formation sanitaire. Je dis et je vous remercie. OK, merci beaucoup. Je crois que Dieudonné pour cette présentation. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour aller directement aux questions. J'espère que vous avez très bien suivi toutes ces deux présentations de façon active. Maintenant, je vais passer la parole aux collègues Daouda et Sophie pour diriger, on va dire, assurer la coordination de comment on va répondre aux différentes questions dans les 15 prochaines minutes. Daouda et Sophie, you have the floor. Merci beaucoup et merci beaucoup à toutes les présentateurs, des présentations très riches et beaucoup, beaucoup de questions. On voit des questions très spécifiques sur les deux études. On va commencer avec une question destinée à Kevin sur la couverture pour le projet Optima. Est-ce que la couverture a été un indicateur que vous avez pu mesurer dans le projet Optima? No, it was not in the randomized control trial. But since this is such an important question about increasing the coverage, our future operational pilots are going to include investigations of coverage. So for example, we just completed baseline coverage in Unguri Chad and in N'Djamena Chad. And we are in the process of implementing Optima in those two areas, so a rural and a context area of Chad. So unfortunately, it was not measured in this randomized control trial. OK, merci, Kevin. Et je pense que tu as soulevé un point très important, c'est que ce projet Optima, ça se passe dans plusieurs pays, pas sur exactement le même format, mais c'est très intéressant de savoir que ça se passe au Tchad, au Niger et au Mali aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de résultats à venir. Daouda, à toi. Je aussi viens avec une question aussi de Kevin où on demande est-ce que le traitement systématique pour Optima est le même que le traitement systématique pour le protocole standard? So, I believe yes, but I need to confirm. I think it was the same in both arms, but I need to confirm that. So I will try to get an answer back to Daouda to share with the group here. Okay. Et lié à... okay, merci aussi d'être Kevin. Juste pour, dans les questions aussi, on demande est-ce que l'analyse du coût optimal prend en compte aussi le coût opérationnel et le coût de support dans le suivi aussi des enfants qui sont traités dans le paquet? Est-ce qu'on prend en compte aussi le coût opérationnel et le coût support? So again, I will need to confirm this, but I do not think it included indirect costs, like costs to families. And in terms of the support costs, but we will include indirect costs in our Optima Niger cost effectiveness analysis.
And in terms of the support costs, I need to relook at the list of things. But I think the main costs were, no, it was health center visits, consultations, so healthcare worker times and things like that. So not, say, international support. But since this was an a randomized control trial, those support costs would be spread out evenly between the control arm and the Optima arm anyway, because they were individually randomized at the point of the same health center. Toujours dans le cadre aussi du coût efficacité, Kevin, il y a une question par rapport est-ce que le coût efficacité aussi prend en compte le suivi des enfants sortis guéris dans la communauté? Sophie, could I ask for a clarification on that? I'm sorry for my bad French, everyone. Yeah, if it takes into account the costs associated to the children at community level. Yes, it's one of the costs that was incurred was home visits. I'm forgetting if it was every 2 weeks or every month after discharge. And we did document those costs of the home visit in terms of the health personnel salary, the transport to the home, and things like that. Yes. Thank you, Kevin. Il y a aussi une question par rapport à l'approche mise en place par le Pronanit. La question est de savoir le traitement systématique qui est fait au niveau communautaire. Est-ce que les relais communautaires, comment ils font le traitement systématique? Comment ça se fait aussi les examens cliniques au niveau communautaire? Donc là, la question, c'est pour Dieudonné, où on a aussi d'autres collègues qui sont aussi en ligne, qui ont participé à la mise en œuvre de cette approche, qui peuvent aussi appuyer pour la réponse. Dieudonné ou Alain? Avant Dieudonné, une petite chose. In terms of the systematic treatment, standard amoxicillin, vitamin A, and anti-helminthic and other curative treatment were given in both arms according to the CMAM protocol by the DRC. So that was a response from the main epidemiological investigator. So sorry about that. Allô? OK, merci pour la question, Daouda. Moi, c'est Georges Alain Tchamba, UNICEF Kinshasa. Donc, pour ce qui concerne le traitement systématique, le traitement était administré aux enfants dans les CAC selon le protocole national en vigueur en RDC avec l'appui des mobilisateurs communautaires ayant une formation médicale qui faisait ce suivi au niveau des CAC. Donc, ceci permettait d'avoir simultanément le traitement médical et le traitement nutritionnel. Merci beaucoup, Alain. Docteur Dieudonné a des compléments d'informe par rapport à cette question. OK. Oui, merci. Juste pour compléter par rapport à l'aspect bilan, il a demandé si les examens étaient faits au niveau de la communauté. Nous rappelons ici que la communauté n'est prise en charge que les enfants ne développant pas de complications médicales. Des enfants MAS et MAM, mais sans complications médicales. Alors, tous ces enfants qui développaient des complications médicales ou des œdèmes étaient directement envoyé au niveau des formations sanitaires pour triage et évidemment approfondir le bilan médical. Merci. Merci, Dr. Dieudonné. Aussi, par rapport à cette approche pilote du Pronanit, il y a l'autre question. Quel est le devenir
du plan PISOC, comme dans le cadre de cette approche, vous avez utilisé le plan PINOT. Est-ce que ça veut dire que le plan PISOC doit être supprimé? Et également, le plan PIDOS, quelle est la cible du plan PIDOS? Merci, Daouda. Le plan PISOC demeurera toujours jusqu'à nouvel ordre. Le protocole simplifié ne va pas substituer dans un premier temps le protocole standard. Donc, le protocole standard existera toujours. Les membres seront pris en charge avec le plan PISOC et les masses avec le plan PINOT. Mais dans certaines situations, comme on l'a dit dans la conclusion de la présentation, on pourra étudier à la fin du deuxième pilote quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir appliquer ou bien mettre en place la procheute simplifiée. Donc, les deux protocoles pourront être mis en place, mais dans certaines conditions. Pour ce qui est des PLOMPI-DOS, selon le protocole national de prise en charge de la malnutrition en vigueur en RDC, le plan PIDOS doit être administré aux enfants de moins de 24 mois qui sont bien nourris. Or, le PB n'identifie pas certains enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée dont le poids taille identifie. Alors, pour permettre à ces enfants de ne pas voir leur état nutritionnel se dégrader, le protocole pilote de l'approche simplifiée avait préconisé d'administrer à ces enfants les PLOMPI-DOS pour ne pas augmenter la masse critique des mamans. Merci beaucoup, cher Alain. Docteur Dieudonné, Sophie, je ne sais pas s'il y a une question. En fait, malheureusement, je pense que nous sommes arrivés à l'heure et on doit passer à la prochaine, mais juste une information pour vous tous. On va prendre toutes les questions et il y aura une réponse publiée sur le site GNC à toutes ces questions très spécifiques aux deux présentateurs. Donc, merci beaucoup pour toutes les questions et je pense que c'est de retour à vous, Dada. Merci beaucoup, Sophie. Comme Sophie vient de dire, on a en tout cas compilé toutes les questions et on aura des réponses à toutes ces questions qui seront partagées avec l'ensemble des participants. Voilà donc. On remet la parole à Ben pour la suite de l'agenda. Okay. Merci Daouda, merci à tous les présentants. On est presque fini cet webinaire. Merci à tout le monde pour le temps. Daouda, tu veux présenter les points clés et les points saillants par cet webinaire? Et après ça, on va voir un petit clôture, un petit mot par Khalil, les coordonnateurs du cluster et Dr. Bruno. Et après ça, on va clôturer le webinaire. Merci. Merci beaucoup, Martha. Comme là, on a vu la présentation, l'historique, aussi les différentes présentations qu'on passe et les adaptations au protocole. Donc, comme vous voyez, globalement, ce qui est ce qu'on peut retenir comme point saillant, surtout par rapport à l'approche Optima, en tout cas, il y a l'approche Optima a permis de réduire la consommation des intrants nutritionnels de presque 20%, ce qui permet d'augmenter la couverture de la prise en charge, le nombre d'enfants qui sont pris en charge, donc par aussi la réduction des quantités de
de sachets qui sont utilisés, comme vous avez vu, avec l'approche standard, on est à moins 112 sachets qui sont consommés, et avec l'approche standard, 74. Et aussi, l'approche Optima a quand même permis de nous montrer, avec l'étude coût-efficacité, que l'approche est moins coûteuse et encore très efficace, donc supérieure à l'approche standard en termes de consommation d'intrants. Également pour l'approche Compass, ce qu'on a aussi, ce qui nous a été présenté là, vous voyez que avec les différentes adaptations, ça a permis la décentralisation de la prise en charge au niveau communautaire, qui a facilité l'accès aux soins aux populations. Et ça a permis également de réduire la quantité d'intrants qui sont utilisés, donc d'augmenter le nombre d'enfants qui sont pris en charge. Et avec l'adaptation stratégie PBMR, ça a permis également de limiter ou de réduire le nombre d'enfants qui sont transférés au niveau des IMTI, donc avec le dépistage précoce et la prise en charge des enfants au niveau des CAC, au niveau communautaire et dans les centres de santé. Et ça a facilité aussi la charge aussi de travail pour les prestataires, parce que il y a eu une décentralisation, la prise en charge qui se fait aussi au niveau communautaire. Donc, comme on voit également, en tout cas par rapport à ce qu'il y a eu, ces tendances qui sont ressorties, donc il y a quand même aussi besoin d'avoir des projets beaucoup plus longs qui vont permettre de confirmer aussi ces tendances qu'on vient de voir à travers ces présentations qui sont réalisées. Voilà un peu le résumé, en tout cas, de ce qui est ressorti de ces différentes présentations. Merci beaucoup. Je vous remets la parole, Martin. Merci. Merci beaucoup, Daouda. Et Khalil, je vous donne une minute pour dire un petit mot. Et aussi, une minute, Dr. Bruno. OK. Dr. Bruno est là avec la directrice adjointe. Je préfère la laisser une minute, après je reviens. Madame Béatrice. OK. OK. Merci, okay. Merci. On attend Dr. Bruno. Mais avant ça, je voulais dire tout le monde qui sont là. Merci beaucoup. On va nous donner une minute juste pour dire à la fin de cet webinaire, tu vas recevoir une ligne et nous voulons vous demander votre temps pour remplir cette enquête. Et cette enquête nous aidera à renforcer nos webinaires à l'avenir. Merci. Bruno? Martha, c'est Béatrice. OK, merci. La mise en place de l'approche simplifiée en République démocratique du Congo est importante pour résoudre les problèmes de la couverture. Et à peine nous sommes à 50% de la prise en charge de la malnutrition. Les résultats que nous venons de vous présenter montrent que le pilotage de l'approche peut être appliqué en rapport avec les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé. Et grâce aux échanges que nous venons d'avoir, nous pensons mettre en place une commission de pilotage pour nous aider à élaborer rapidement une feuille de route qui va préconiser à augmenter la couverture des soins et surtout que nous sommes en période de la COVID-19. Nous encourageons tous nos partenaires, si nous pouvons continuer à chercher les évidences scientifiques solides qui pourra nous permettre de mettre en place cette approche au niveau national et surtout de le mettre dans le protocole national du pays, tout en identifiant les facteurs appropriés adéquats. Nous ne pouvons pas clôturer tant que les gouvernements dire merci au cluster global
pour avoir accepté de nous accompagner ou de nous appuyer dans le pilotage de l'expérience de l'approche simplifiée. Nous remercions aussi la grande famille de l'Afrique de la nutrition en particulier, surtout du monde entier en général, pour l'intérêt de ces webinaires. Nous remercions aussi également les coordinations du cluster nutrition national de la République démocratique du Congo qui ne cesse pas de nous accompagner. Merci, Martha. Bien. Merci beaucoup, Madame la directrice. Merci à tous les présentateurs et à tous les panélistes. Merci au DNC, merci aux collègues, merci à tous les pays qui ont voulu assister à ce webinaire. Nous sommes à la fin et comme l'a dit tout à l'heure le collègue Daouda, deux choses nous avons apprises. La première chose, il est possible de réduire les doses des ATPE et d'avoir la même efficacité pour le traitement et d'avoir de l'efficience en termes de réduction de coûts. C'est ce que la présentation de Kevin nous a montré. Pour ce qui est de pilotage au niveau de la RDC, nous sommes encore en phase de... on a fait 5 mois, donc ça ne nous permet pas de conclure sur l'efficacité, sur la couverture en tant que telle, mais les 12 prochains mois, comme ils l'ont bien dit, permettront de pouvoir bien piloter les 3 adaptations et à la fin de cette année, nous pensons vous retrouver pour pouvoir vous dire voilà qu'est-ce qu'il en est en tenant compte de la durée nécessaire pour pouvoir conduire de telles études. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous. Nous allons terminer par ce que Martha disait tout à l'heure. Quand vous allez vous déconnecter, vous allez avoir accès directement tomber sur une évaluation. Nous voulons avoir votre point de vue sur qu'est-ce qu'on a le moins bien fait pendant ce webinaire, de manière à faire mieux les prochaines fois. Encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous et bonne soirée. Merci. Merci tout le monde, spécialement les organisateurs.